les 2 minutes citoyennes, un podcast du site viepublique.fr. Bonjour à tous, je suis Delphine, rédactrice pour le site viepublique.fr et je vais vous expliquer qui dirige l'administration. L'administration française n'est pas un bloc unique. Elle comprend l'administration d'État et l'administration territoriale. À leur tête, une autorité publique encadre l'action administrative. Alors, quelle autorité pour quelle administration ? L'administration centrale est dirigée par le pouvoir exécutif, c'est-à-dire par le gouvernement et à sa tête, le Premier ministre. Selon l'article 20 de la Constitution, le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Il dispose de l'administration. Le Premier ministre, en tant que chef du gouvernement, en est donc le responsable. On dit que l'administration est subordonnée au gouvernement. Elle est tenue d'appliquer les décisions prises par le pouvoir exécutif. Le président de la République dispose aussi de compétences administratives, puisqu'il doit signer les ordonnances, c'est-à-dire les actes qui relèvent de la loi pris en Conseil des ministres, ainsi que les décrets, c'est-à-dire les textes qui encadrent l'action de l'administration. L'administration territoriale, quant à elle, est dirigée par les chefs de l'exécutif local, c'est-à-dire par les élus locaux. Les administrations régionales, départementales et communales dépendent respectivement des conseils régionaux, des conseils départementaux et des maires. Les collectivités territoriales, par exemple, sont chargées de nommer les fonctionnaires territoriaux. L'administration peut-elle se diriger elle-même ? Certains spécialistes du droit administratif estiment que l'administration a tendance à se diriger elle-même. Dans les administrations, les fonctionnaires ont des habitudes et des modes de fonctionnement qui peuvent être un obstacle à l'application de la politique gouvernementale. Les ministres choisissent d'ailleurs souvent, comme membres de leur cabinet, des hauts fonctionnaires de leur ministère qui en connaissent parfaitement les rouages et l'esprit. Vous pouvez réécouter ce podcast et toutes nos séries sur vos plateformes préférées et notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous y abonner. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet viepublique.fr et nos réseaux sociaux. On se retrouve très bientôt. Au revoir à tous.